الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous devons étudier un ayat de Surah Ali Imran. Ayat 190, Allah subhanahu wa ta'ala janu, Inna fi khalqis samawati wal ardi, wa ikhtilafil layli wan nahari, la ayatin li ulil albab. Certainement, de création ban les ciels et la terre, et de changement la nuit et les jours, très certainement, il y a un signe pour ban qui possède l'intelligence. Maintenant, Allah in ordonne pour refléter la création, et Allah se ressource, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, l'injanoussa. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut décrire ban intelligent. Qui c'est là qui est intelligent? Allah subhanahu wa ta'ala dit, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ben, l'intelligence, c'est ben celui qui se débouté, ou bien se assisé, ou bien se allongé. N'importe qui position se été, يذكرون الله, se pense Allah subhanahu wa ta'ala. Se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. ويتفكرون في خلق السماوات والارض ابن نازت ميديتي لو كرياسيون بان لي سييل اي لا تيير ان ديزان se dire ربنا ما خلقت هذا باطلا on rab tu pas fin créer n'rien d'avid n'rien dans sa dunya là pas fin être créer d'avid سبحانك فقنا عذاب النار pieté à toi tu exempté de tout défaut ya Allah. Alors sauve-nous depuis Jifé Jahannam. Ayat numéro 192, Allah subhanahu wa ta'ala, il contient et il enseigne nous droit qui va intelligent faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est dans l'intelligence, comment il adresse à Allah? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Ô nous Rab, ô nous Seigneur, certainement celui qui te fin admettre dans l'enfer, sûrement te fin humilier. Celui qui Allah fin mettre dans Jifé Jahannam, alors certainement sa djimouna fin être humilié. Et Allah Ta'ala rappelle bien, il n'y a pas fait zulm aux personnes. Allah Ta'ala n'y a pas fait l'injustice aux personnes. Si un djimoun, l'in choisit pour aller de l'enfer, l'in choisit kufr, alors il mérite Jahannam. Donc celui qui, in al de Jahannam, Allah fin humilié lui. C'est une humiliation. Wa ma li dhalimina min ansar, et pour ban injuste, paix n'a aucun secoureur. Celui qui n'a pas le kufr, l'inal de Jahannam, l'ipouris de Jahannam éternellement.
Pena personne qui capable intercéder pour maintenant, pena personne qui capable faire cette shafa'at, faire retirer ce dépit de Jahannam, admettre ce de Jannat. À cause ça, c'est très important. Alhamdulillah, nous musulmans, mais nous visons faire de sorte que nous mourons comme musulmans. Nous prenons iman, nous allons au Coran, nous wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et n'a pas besoin de ce mot, excepté comme musulman, mot lo iman. Parce que c'est ça même, nous visa pour le Jannat, iman c'est ça même, nous trésor plus précieux qui nous est là. Ayat numéro 193, Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne nous encore ban doa. Qui ban intelligent fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Yanu, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. O nous Rabb, O nous Seigneur, sûrement nous finten en proclameur pe annoncer pour la foi. Nous ten en munadi, nous ten en celui qui peut faire annonce. L'invini parmi nous et lui fin annoncer. Qu'il finit annoncer, amen iman, an aminu bi rabbikum. L'invini, l'in annonce nous, amen iman, lo Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa proclame là, qui s'en a ça? C'est huzur Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah il envoie son Habib sallallahu alayhi wa sallam parmi nous, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'in enseigne nous iman, l'in enseigne nous islam, l'in donne insan, ban preuve. Une preuve qui est irréfutable concernant la véracité de l'islam. Donc, alhamdoulillah, nous amène iman. Nabi Karim invite nous vers iman, nous amène iman, même si nous prenons un message là directement depuis Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. 1400 bananes traversées, mais message là, les préserver dans le Coran et Hadith, nous n'en a message là devant nous, nous n'amène iman. Ça même doit nous faire honorable. Certainement, nous n'en un proclameur, nous n'en un monadi, nous n'en qui qu'en peut faire nida, peut faire annonce, au banjimoun, amen iman, lo Allah. Alors, nous peut dire, ya Rab, fa amanna, nous fin amène iman, nous. Nous n'amène iman, fa amanna. Donc, quand nous amène iman, c'est encore un doigt que le Coran montre nous. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Un très joli doigt. Très joli doigt. Tout doigt même joli. Mais si nous sommes capables de prendre les liens, Allah peut enseigner nous pour dire Rabbana, ô nous Rabb, ô nous Seigneur, faghfir lana dhunubana, ô nous Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous, ban gouna. Et na humilité là-dedans. Vous connaissez, celui qui est na takabour dans lui, il n'a pas accepté son erreur. Il essaie de justifier son gouna. Celui qui est na takabour, l'orgueil dans lui. Tandis que celui qui aime, et comme ça même nous puissions être, celui qui est na humilité dans lui, il n'a pas accepté mon erreur. N'importe qui s'en a lié, n'importe qui position lui occupé, quand il fait erreur, et pour dire oui, mon fait erreur, et il vous demande pardon. Rabbana, faghfir lana, dhunubana, onu rab, pardonne nous ban guna, wa kaffir anna sayyatina, et efface de nous, nous ban le mal. Le mal qui nous fait, ban mauvais travail qui nous fait, oh Allah, efface-li. Oui, certainement, nous fait guna. Allah connaît chacun ce guna comme il est grave. Mais nous sommes certains qu'il nous tout qu'il a guna garde. Peine à personne qui parfait. Mais rappelle bien, Rabbul Alamin, son rahmat, li beaucoup plus grand qu'il nous guna. Rabbul Alamin, son rahmat, li beaucoup plus grand qu'il nous guna. Sa rab là, li capable, efface sa guna là, depuis nous namaï a'mal aussi. Et Allah, li ka remplace ça par ban neki. Allah, il a kudrat l'eau là. Nous peut faire droit, Allah. Pardonne-nous, ban guna, et efface, ban le mal qui nous fait, ban guna, ban péché, ban mauvais travail qui nous fait dans le passé. Ya Rab, efface-li, wa tawaffana ma'al abarar, et oh Allah, fais-nous gagner l'amour avec ban pieux. Remarquez, dans sa doua-là, il y a trois petites choses qu'il demande. Il demande pardon pour ban péché, il demande pour efface le mal qui nous fait, et troisième, il demande pour mot avec ban pieux. Question qui posait. Qui fait mot avec ban pieux? Qui fait Coran peut enseigner nous? Oh Allah, dire, oh Allah, fais-nous mot avec ban pieux.
quelle importance ça a là, ou bien qui bénéfice ça a là. Alors si vous étudiez l'islam, vous pouvez trouver sa barakat qui est là quand vous restez parmi les pieux, ou pas pour gagner sa barakat là quand vous restez parmi les mafias, quand vous entourez avec les camarades et avec les proches qui sont dignes, qui connaît valeur islam, c'est quoi? Mais inshallah, l'air ou pémo, si ou dans un moment de souffrance qui ou pas capable lire kalima, mais ça va un proche qui connaît Nabi Karim, ça salam fin dire, celui qui se dernière parole, c'est la ilaha illallah, il rentre dans Jannat, ça va un proche là, que ce soit aux enfants, que ce soit madame, que ce soit parent, qui est dans l'iman, qui est dans taqwa dans lui, de pouvoir être prêt avec ou dans le dernier moment, de pouvoir faire talqid, afin qui ou dernière parole, c'est la ilaha illallah, avant qu'il quitte sa dunya là. De pouvoir venir, de pouvoir lire surah Yassin, koto. Il recommande pour lire sura Yassin, Coran, PJ à nous, « Watawafana ma'al abarar »« Oh Allah, donne-moi l'amour, donne-nous l'amour parmi les pieux. » Et c'est là la question qui nous est imposée. Très certainement, nous avons rendez-vous avec Malakul Maut. Ils ont dit, certaines finales, demain, encore un peu du monde pour aller, pas qu'on est dans la liste demain pour nous, non. Ou bien après demain, ou bien quelques années après. Mais nous non, lui donne la liste d'un jour qui peut venir. Nous avons rendez-vous avec Malakul Maut. Question c'est, est-ce que moi un coup nous ne prépare pour ça l'amour là? Est-ce que nous ne restons entourés avec ban pieux? Ou bien, si nous responsables d'une famille, est-ce que nous ne prépare une famille pieux? At least nous dire, est-ce que nous faire ses efforts pour prépare une famille pieux autour de moi? Et si nous pas faire li, ou bien nous pas donne l'emphase à ça, il arrive le moment maintenant, chacun parmi nous, nous mettre l'emphase là, ça qui nous prépare ban pieux, afin qu'il que nous paie banna, ensemble avec nous. Et si dans nos taqdir et non, qui que nous paie mot, et n'a quitte Allah son wali autour de nous, nous pas connaît. Qui s'en a qui Allah son wali, nous pas connaît. Mais il y a Allah son wali, il est possible d'avoir mis aux bandes proches, aux enfants, les moutakis par hezgar autant, il arrive au niveau de wilayat. Vous connaissez sa proche là, celui qui est Allah son wali, Allah son rahmat, reste ensemble avec lui, parce que barakat aussi vous bénéficiez avec Allah son rahmat. Mais, important c'est que, reste entouré avec ban pieux. Ou reste entouré avec ban pieux dans la dunya, inshallah, quand on peut mourir, pour une ban pieux autour de vous. Wa tawaffana ma'al abarar. Ensuite, ayat numéro 194, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyama innaka la tukhliful mi'ad. Ô nous Seigneur, donne-nous ce qui te fin promette-nous à travers te ban messager et pas humilier-nous le jour de la résurrection. Ce qui te rasoul fin promette-nous da jannat, da akhirat, ya Rab, donne-nous un pas depuis sa jannat là. Parce que jahannam, l'enfer, son azab, une seconde nous pas pour capable de tenir. Jahannam, son azab, est bien, bien dur. Coran, plusieurs places, une cause azabun azim, grand punition. Qui fait l'enfer, grand punition. Azabun alim, une cause punition douloureuse. Azab jahannam, est bien dur. Alors, nous pouvons dire, Ya Rab, donne-nous ce qui te fin promette à travers ton ban messager. Voilà, tukhzina yawm al-qiyama. Et pas humilier-nous le jour de la résurrection. Jour jugement, tout ban a'mal, tout ban action qui nous fait, les poudéo. Dans la dunya, nous sommes capables de cacher. Avec la dunya, nous sommes capables de cacher. Mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes capables de cacher. Avec sa ban farishta qui est responsable pour notre ban action là. Avec lui, comment on peut cacher les gounas qui nous peut faire? Mais tout ça, namai amal, tout ce qui nous fait, les pour là, les pour devant là, nous peut faire doya Rabbi. Dans la dunya, ton God nous izzat, God nous izzat dans l'akhirat aussi. Voilà, tukhzina yawm al-qiyama, God nous izzat là-bas aussi. Innaka la tukhliful mi'ad, certainement tu pas manques tes promesses. Et est-ce qu'il nous envie qu'Allah, God nous izzat là-bas aussi? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith li djanou. Dans un hadith li djanou, celui qui cachait défaut de son frère musulman dans la dunya,
veut dire une qualité défaut qui peut n'a aucune raison valable d'après Sharia pour venir annoncer. Peut n'a aucune raison, par exemple, qui qu'un 20 bananes avant de faire un péché. Aujourd'hui, il y a 50 ans, 20 bananes avant, quand il est jeune, il fait un péché. Peut n'a aucune utilité pour me venir causer ça devant vous. Est-ce que vous avez le droit de venir dévoiler ça du monde à ce péché qu'il fait? Les 20 bananes avant, même aujourd'hui, grand matin, un dimon fin faire un gouna, il fait un péché. Il peut n'a aucune raison pour venir causer ça avec vous. Parfois, ma raison, c'est par exemple, quand tu fais des demandes. Léa là, c'est quelqu'un de nous concernant le caractère de un tel, et vous connaissez dans le mauvais chemin, et sa fille là, si vous mariez avec lui, pour capable avoir certains problèmes, là, lui, il va dire pour dire. Ou bien quelqu'un envie de faire business avec quelqu'un, il a envie de faire un partnership avec quelqu'un dans l'endroit, et vous connaissez, ça dit mon là, il y a une volée à lui. Alors là, ou un faux m'baille là, guettez, prends tes précautions, parce que lui, un voleur, si tu peux faire partnership avec lui. Là, raison, c'est pas pour satisfaire mon nafs. Ils ont dit, à cause de l'ennemité avec quelqu'un nous dévoile ce bon péché. Et à cause, parfois, nous comptons quelqu'un nous cacher de ce péché. Nous faire nos nafs contents. Islam, pas nous donne ça. Non. Quand quelqu'un en danger, l'est là où informer. L'est là où dire. Ça aussi, où dire six quantités qui visent. Mais quelqu'un, 30 bananes, 10 bananes, 5 bananes avant, l'itida en gouna. Moi, je n'ai aucune raison valable pour venir dire devant vous, je n'ai pas besoin de dire vous. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit, celui qui cachait défaut de ce frère un musulman, Allah, pour cacher sa dimon là, ce défaut joue au jugement. Ou cacher défaut de quelqu'un, Allah, pour cacher ou défaut joue au jugement. Alors, ça, c'était, ban ayat, Quran, ban doa, qui Allah, subhanahu wa ta'ala, fin enseigne nous pour, demande avec lui, ban intelligence de faire sa doa là. Maintenant, vous connaissez de sa ayat là, fin cause, création la terre, fin cause, création les ciels, et fin cause, dunya. Et Dieu nous qui l'a dans et n'a ban si pour ban qui réfléchir, pour ban qui méditer. Alors, quand nous étudions, surtout là, nous cause, dans l'époque, il y a beaucoup l'ennemi de l'islam. Quand on étudie, ben, des gens qui prend le Coran, et ils méditent, ils font tafakkur le sa Coran, et ensuite, ils observent sa l'univers là, sa dunya là, comment fonctionne, un bon parti là, dans celui qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, fin d'unzut daulat et iman. Celui qui réfléchit, Allah, il donne daulat et iman. En l'année 1988, Tiena en certain en khabis. L'étude écrit un livre qui n'est pas correct du tout. Je n'ai pas envie de prendre le livre là, ce nom aussi. Je n'ai pas pour prendre l'auteur là aussi, ce nom. Mais dans ce livre là, en 1988, il écrit ce livre là fin publié dans Londres, London. Et un Indian, petit musulman, soi-disant, hein, porte le nom d'un sahabi et rasoul. Dans l'Angleterre, il écrit un livre. Côte là-dedans, il target Coran Sharif et il target Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il soit disant, ce qui est dans le Coran, il n'est pas dépit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'il soit disant, ça, ce qui est dans le Coran là, il sorti depuis Shaitan, ma'azallah. 1988, ce livre-là publié. Quand ce livre-là fin publié dans UK, certainement, musulmans, pas de reste tranquille. Finalement, ils protestent à travers le monde et surtout dans l'Angleterre. Musulmans finissent protester beaucoup. Comment tu es capable d'attaquer le Coran et comment tu es capable d'attaquer Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand toi, tu peux déclarer être musulman. Tu es musulman, toi. Comment tu es capable de faire ça? Alors, quand finalement, ils protestent dans l'Angleterre, alors, la police, l'Angleterre, maintenant, qu'ils ont besoin de faire? Ils ont besoin de contrôler la situation. Voilà, la police, ce travail, c'est ça même. Du monde peut protester, ils ont pour venir, ils ont pour contrôler la situation. Tiena, un chief inspector. Lui, son nom, Mogoudiaou, Manchun, al check li lo YouTube.
en ali lo YouTube Richard Farley. Richard Farley li pa chen musulman, li pa né dans la case musulman, li chi chief inspector the British counter terrorism squad, li chi chief inspector là dedans. Alors li li gen responsabilité pour contrôle situation. Pe na beaucoup ban protest da UK, du monde musulman peut protester, capable à des autres, donc il nous donne sa responsabilité là pour y aller, pour y calmer les choses ou bien pour y contrôler la situation. Bien beau. Richard Farley, le chief inspector, alors il rentre dans la police à cause de l'étipo, mais sinon lui-même il tient gradué université, il en prend science, il en prend surtout une science appelée géologie. Il en prend sa science là, mais à cause il gagne travail facile pour rentrer dans la police, il finit rentrer dans la police, il fait travail. Là, 1988-1989, le chief inspector de UK police. Très bien. Richard Farley, quand il peut trouver un jimoun, peut protester. Musulman peut protester à cause d'un livre. Vous comprenez? Pour lui, parce que lui pas un musulman, lui. Il peut dire de lui-même, mais qui fait un musulman à cause d'un livre peut protester. Vous pouvez comprendre? Ceci, c'est un musulman pour comprendre qui va lire un Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, et qui va lire le Coran. Musulman, lui, il est capable, ou capable d'insulter lui, ou insulter lui, ou insulter sa famille. Peut-être n'est pas pour révolter autant quantité qu'il est pour révolter qu'on peut insulter Allah et Allah son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour nous, il est sacré, ça. Coran est sacré. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, sur l'honneur, il est sacré. Mais Richard Farley, il n'est pas pour comprendre. Parce que finalement, encore un livre qui dit qu'il finit écrire contre les autres religions. Mais maintenant, pas de protester. Ça va, il y a qui fait peu protester. Il dit un mot pour bien comprendre la psychologie de ban musulman. Il dit pour me contrôler ça là. La foule de ban qui peut protester là, mon professeur comprend psychologie de ban musulman. Mon professeur comprend comment musulman maintenant se penser, cette façon de penser comment a été. Très bien. Parce que lui-même il tient intellectuel, un gradué. Il dit donc pour me comprendre musulman, meilleure façon qu'il y en a, c'est me prendre Coran me lire. Pour me comprendre islam, meilleure façon c'est me lire Coran. So, madame, il a une copie du Coran in donné. Il a une copie du Coran, texte arabe et traduction anglais. Richard Farley, qui n'est pas un musulman, il commence à lire le Coran. Alors, il dit d'une façon, il compte l'islam avant. Il peut avoir une solution pour qu'il contrôle ça la foule qui peut protester là. Mais au fur et à mesure, quand il peut lire le Coran, il peut lire la traduction là même. L'IPDIA, ben, ça, sa parole qui est là-dedans, là, extraordinaire, ça. Et surtout, vu que l'ITIEN étudiant science, et l'ITIEN fan de science, man découverte que science peut faire, l'ITIEN fan de ça, l'ICONTA, l'IA concernant ça, il arrive l'Oban Ayat, et dans trois ayats de Coran. Ça, trois ayats-là, fait, il trouve la vérité, et alhamdulillah, Richard Farley finit à Kalima, finit musulman en 1993. Trois ayats de Coran. Qui ça, trois ayats-là, l'étant limité, bon, vous dire où? Ben, jeune, à la case, à l'autre, l'Iali. Surah 51, ayat numéro 47. Deuxième, Surah 21, ayat numéro 30. Et troisième, c'est Surah 78, ayat numéro 6 et 7. Ça trois ayats là qui nous causaient. À sortir science fin découvert qui sa dunya là vin en existence à partir quelque chose qui maintenant appelle ça Big Bang Theory. À sortir, veut dire nous dire 100 bananes, maximum 200 bananes avant, il découvert ça. Richard Farley fin trouve ce qui Big Bang Theory peut causer, il trouve ça mentionné dans sa man ayat Coran là. Comme ça même, Richard Farley, tu connais qui science, il dit que ça l'univers là peut expand, expansion de l'univers. C'est-à-dire que cette dunya là, comment elle était, il n'est pas pareil, il peut continuer à grandir. Il peut continuer à grandir, cause l'univers. Coran fait faire mention de ça dans sa bonne ayat là. Et dernière référence qui m'en donne, ayat numéro 78, surah 78, ayat numéro 6 et 7. Vous connaissez qui sipara ça? Sipara Amma. Sipara qui nous tourne au lien dans le maktab quand nous finissons à lire Batasa.
Mes amis nous lisent le Coran dans sa langue là. Richard Foley l'inlia. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Waljibala autada » Allah ta'ala dit qu'il fin crée ban montagne comment ban piquer. Montagne, mais comment piquer. Par exemple, vous pouvez monter la tente. Vous pouvez monter la tente. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre piquer. Hein? Comme un coulou comme ça, vous foncez dans la terre. Qui fait nous prendre coulou comme un piquet, nous fonce dans la terre? C'est pour qui? Il n'est pas bougé. Il reste stable. Allah peut dire dans le Coran, 1400 années avant, qu'il y ait une crée dans la montagne, comment on piquer? Mais est-ce que quand nous guettons montagne, nous restons prêts avec montagne, vous trouvez comment un piquet ou? Non. Mais le Coran, 1400 années avant, peut dire montagne, il comment dire piquer? Waljibala autada. Richard Foley, il dit, ça s'existe là, environ 150 années de cela, qui science fin découvert, qui sa montagne là, c'est qui vous pouvez trouver le surface, la terre là, lit beaucoup, c'est qui vous pouvez trouver là-haut là, et non, beaucoup plus qui ça, de sa montagne là, dans la terre en dedans. Montagne là, en réalité, les commandiennes piquaient même en dedans. Montagne, il n'est pas juste sa partie qui vous trouve là-haut là. Parce que si tu sais, à partir là-haut, là, un cyclone venu, montagne là, tu peux bouger. Mais montagne là, il comment dire, un piqué qui est enfoncé dans la terre, et ce qui est enfoncé dans la terre là, il est beaucoup plus que ce qui nous trouvait le surface de la terre. Richard Foley dit, nous, insane avec nous lichés, jamais nous, tu peux capable de connu ça. 1400 années avant, dans le désert Mecca Mukarrama, dans Medina Munawara, si dans un livre sacré, fin mentionné ça, ce livre-là, certainement, il dépit Allah subhanahu wa ta'ala. Il amène l'Iman en 1993. Et il fait beaucoup de travail, et dans un détail, là, YouTube, nous dit, un jeune musulman, trois ayats, il fait livre un musulman. Ou combien ayat ou bizin pour rester ferme là où iman? Combien ayat nous bizin pour nous reste une façon qui nous iman fin solide? Pas pire que traiter pour gagner guérison. D'abord, un moment difficile pour faire ça. Combien ayat nous bizin? Hein? Combien ayat nous bizin? Mais le problème c'est, livre là, il reste ferme. Nous pas lire. Nous pas lire. Si nous lire aussi, nous lire tchigit et nous pas comprendre. Nous faire dans le Coran aussi, personne pas intéressé. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala attache-nous avec sa Coran. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Allah attache-nous avec sa Coran et donne-nous l'amour, le l'enseignement du Coran. Allah fait Coran, vient nous compagnons de qabr. Allah fait nous bénéficier avec shafa'at du Coran, jour jugement. Wa ma'alayna illa al-balagh.